Bonjour et bienvenue à la présentation des notes de cours du chapitre 2.3 sur la représentation atomique de bord. Donc pour faire ce keynote là, vous allez avoir besoin d'un tableau périodique à côté de vous. Donc vous pouvez ouvrir une autre fenêtre de votre ordinateur et en trouver un, ou vous pouvez utiliser votre agenda, mais vous allez avoir besoin d'un tableau périodique pour pouvoir compléter les exercices du keynote. Alors, allons-y avec un petit rappel au sujet du numéro atomique. Donc, on a vu dans un keynote précédent que le numéro atomique donne le nombre de protons qu'il y a dans l'atome. Le proton, c'est la charge positive. Et dans l'atome, il y a aussi des électrons qui, eux, sont négatifs. Mais le total va toujours être neutre. Il va toujours avoir le même nombre d'électrons négatifs que de protons positifs. Donc, ça veut dire que finalement, le numéro atomique, s'il nous donne le nombre de protons, ben, il se trouve aussi à nous donner le nombre d'électrons, parce que le nombre de protons et le nombre d'électrons est égal. Donc, prenez votre tableau périodique et trouvez le carbone. Le carbone, il est en haut sur, comme la première ligne, mais en fait, c'est la deuxième période, et c'est la lettre C majuscule. Donc, son numéro atomique, c'est 6. Ben, ça veut dire qu'il va avoir 6 protons et 6 électrons. Donc, quand on va le dessiner, il va falloir qu'on dessine les 6 protons et qu'on dessine les 6 électrons. Cherchez l'or maintenant. L'or, son symbole, c'est AU. Il est en bas au milieu, à peu près sur l'avant-dernière rangée, là, sur la période 6. Donc, l'or, son numéro atomique, c'est 79. Ça veut dire que l'or a 79 protons et qu'il a aussi 79 électrons. Un rappel sur la masse atomique maintenant. Dans l'atome, on a dit qu'il y avait des protons, des neutrons et des électrons, mais on a dit que les électrons, ils pesaient pas grand-chose. Que les électrons avaient une masse 1800 fois plus petite que celle des protons. Donc, ça veut dire que dans l'atome, c'est les protons et les neutrons qui donnent la masse à l'atome. On pourrait rajouter des électrons ou enlever des électrons à l'atome, ça ferait même pas une différence sur la masse, donc ils n'ont pas d'influence sur la masse de l'atome. Donc, la masse atomique, si je l'arrondis, ça va m'indiquer combien est-ce qu'il y a de particules dans le noyau. Donc, cherchez encore votre carbone de tantôt. Sa masse atomique, c'était l'autre chiffre. Pas le 6, mais le 12. Ça veut dire quoi, 12? Ça veut dire qu'il y a 12 billes dans le noyau. 12 particules dans le noyau. L'or, lui, est beaucoup plus gros. Sa masse atomique, c'est 197. Ça veut dire que dans le noyau, il y a 197 billes. Évidemment, on ne va pas dessiner des atomes d'or, c'est beaucoup trop gros. Donc, on va faire un exemple plus simple avec un atome plus petit qui serait le bore. Le bore, il y a le numéro 5 et il y a une masse de 11. Ça veut dire quoi une masse de 11? Bien, ça veut dire qu'il va avoir 11 particules dans le noyau. Donc, on va dessiner au crayon de plomb, dessine 11 billes. Tu peux les mettre n'importe où, ces billes-là, c'est pas important. Tu peux les mettre en forme de cercle, ça va être plus joli. Moi, avec Keynote, j'ai pas vraiment réussi à les mettre en forme de beau cercle, mais il faut dessiner 11 billes parce que la masse, c'est 11. Mais c'est qu'est-ce que j'ai dans le noyau d'habitude? C'est des protons et des neutrons. Donc là, j'ai 11 billes, mais là-dedans, il y a un mélange de protons et de neutrons. Comment je vais faire pour savoir il y a combien de protons et de neutrons? Mais je vais aller chercher l'autre information qui était le numéro. Le numéro atomique du bore, c'est 5. Ça veut dire qu'il y a 5 protons. Donc là, on va prendre un crayon de couleur et on va colorier 5 de ces billes-là de la couleur proton. Donc pour mon keynote, j'ai choisi vert comme couleur proton. Tu prendras bien la couleur que tu veux. Et je vais choisir au hasard 5 billes, n'importe quelle des 5, et qu'on va colorier en vert. Donc, vas-y, colore 5 billes en vert, n'importe laquelle. Et ça va se trouver à être tes 5 protons. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que tout ce qui reste, c'est des neutrons. Donc, on va choisir une autre couleur. Donc, là, moi, j'ai choisi orange. Et ces neutrons-là, c'est tout ce qui reste. Donc, les 6 billes qui restent. Dernière chose qui nous reste à mettre, c'est les électrons. Vu que l'atome est neutre, s'il y a 5 positifs ou qu'il y a 5 négatifs, donc on va mettre autour 5 petits points, n'importe où, pour représenter les électrons. Donc,
cinq petits points. 1, 2, 3, 4 et 5 petits points qui représentent nos électrons. Bon, OK. Deux choses. Premièrement, en réalité, les électrons ne sont pas placés n'importe où comme ça. Mais ça, on va y revenir. On va prendre des petits baby steps. On va se rendre là, ce ne sera pas long. Et deuxième chose, ben, en fait, dans le programme de 9e année, tu n'es pas obligé de savoir comment faire pour trouver le nombre de neutrons. Mais c'est tellement simple. C'est juste une soustraction. Ça va être la masse moins le numéro. 11 moins 5 égale 6, 6b orange. C'est pour ça que je te le dis. Mais ça sera pas dans, c'est pas dans le curriculum. Donc, ça ne sera pas dans les quiz ou dans les examens. Donc, ça, c'était pour l'exemple du neutron. Je vais te demander de faire la même chose cette fois, mais pour le lithium. Donc, trouve ton tableau périodique et essaye de dessiner tout seul le lithium. Mets sur pause, puis essaye de le faire tout seul. J'espère que tu as pesé sur pause pour de vrai. Je veux vraiment que tu essayes de le faire tout seul. OK, bon, je vais vous donner la réponse. Puisque le lithium a une masse de 7, ben ça veut dire qu'il va avoir 7 billes dans le noyau. Donc, on va dessiner nos 7 cercles. Et ça représente notre total de protons et de neutrons. Mais comme il a un numéro de 3, ça veut dire qu'il y a 3 de ces billes qui vont être les protons. Donc, je vais mettre 3 billes vertes. Et ce qui reste, 7 moins 3, donc les 4 qui restent, vont être mes neutrons. Donc, moi, dans mes couleurs, je le mets en orange. Combien est-ce qu'il y a d'électrons? Bien, le nombre d'électrons est égal au numéro atomique aussi. Donc, il va y avoir 3 électrons à placer un petit peu n'importe où pour l'instant autour du lithium. OK, bien, pour ceux qui se sentent capables, voici des instructions sur le nombre de neutrons, mais ce n'est pas dans vos notes de cours. Cherchez-le pas parce que ce n'est pas au programme, c'est vraiment de l'enrichissement. Donc, le nombre de neutrons, finalement, on le trouve en faisant la masse moins le numéro. Donc, comme dans le cas de notre carbone, ben 12 moins 6, ça fait 6. Ça veut dire qu'il va y avoir les 6 protons du numéro atomique et les 6 neutrons de la soustraction. Dans le cas de l'or, il y a 197 de masse et 79 de numéro. Donc, ça veut dire que 79 protons et le nombre de neutrons, on le trouve en faisant 197 moins 79. Donc, il y a 118 neutrons. Mais c'est de l'enrichissement. Si tu ne comprends pas ça, c'est pas grave. Okay? C'est juste l'enrichissement. Alors, sur la diapo suivante, vous avez une colonne où il y a cinq éléments. Et pour chacun de ces cinq éléments-là, je veux qu'on indique le nombre de protons, d'électrons et de neutrons. Et ça, je ne te donnerai pas les réponses. Il va falloir que tu me montres ton tableau quand tu vas arriver en classe au prochain cours. Donc, je veux que tu fasses la colonne des protons et la colonne des électrons. Mais c'est correct si tu ne veux pas faire la colonne des neutrons. Mais en fait, je pense que je ne l'ai même pas mis sur ton keynote imprimé. Donc, trouve pas le nombre de neutrons. Si ça tente de l'essayer, ben, écris-le dans la marge à côté. Mais c'est le nombre de protons et d'électrons qui est obligatoire à remplir pour le prochain cours. Donc, tantôt, j'ai dit que les électrons n'étaient pas placés n'importe où autour du noyau. Alors, on va aller apprendre comment placer les électrons correctement sur les couches électroniques. Ces couches-là vont avoir des distances bien précises du noyau. On ne mesurera pas les distances en mètres. En fait, on les mesure en énergie, mais ce n'est pas grave. Et ce qui est important de comprendre, c'est que plus la couche est loin du noyau, plus la couche va être grande et plus qu'il va y avoir de place pour avoir des électrons dessus. Donc, les nombres de places maximum. Et là, c'est important d'insister sur le maximum. Ça veut dire qu'il peut en avoir moins. Il ne peut pas en avoir plus. Donc, le nombre maximum de places, c'est quoi? Bien, deux électrons sur la première couche. Elle est tellement proche du noyau, elle est tellement petite que deux électrons embarquent dessus, puis c'est plein. On ne peut pas mettre plus que deux. La deuxième couche, c'est huit électrons. Et en fait, on pourrait dire que la troisième couche aussi, pour nos besoins de 9e année, va avoir un maximum de 8. Ce n'est pas le cas l'année prochaine. Vous allez voir qu'il y a beaucoup plus de place que 8. Mais cette année, on va seulement dessiner des atomes jusqu'à un nombre de 20 électrons. Donc, ça ne va pas arriver qu'on aura plus que 8 électrons sur la dernière couche. Alors, on va s'en tenir à ça pour cette année. 2 électrons sur la première couche et 8 électrons sur les couches suivantes. Ce qui n'est pas la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
Mais c'est une petite menterie que monsieur va corriger l'année prochaine lorsque vous allez dessiner des atomes plus grands. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour dessiner ces électrons-là? Ben, si les électrons sont plus loin du noyau, ça veut dire qu'ils bougent plus vite. Puis les électrons, ils n'aiment pas ça, aller vite. Ils aiment ça aller lentement. Ils aiment ça avoir moins d'énergie. Ils sont un petit peu paresseux. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont préférer remplir la couche proche du noyau en premier. Et s'ils n'ont pas le choix, si les couches sont déjà pleines, ben, ils vont aller sur la couche d'après. Mais il faut vraiment qu'ils n'aient pas le choix. Alors, faisons l'exemple de l'azote. L'azote, son numéro est 7, sa masse est 14. Donc, ça veut dire que si on voulait dessiner, il faudrait dessiner 14 billes dans le noyau, mettre 7 vertes, 7 oranges. Ce serait compliqué, ça prend trop de place. J'aime pas ça faire ça, donc on va se trouver un petit raccourci. On va juste dessiner un cercle, puis en dedans, on va écrire 7 pi pour 7 protons. Et ceux que ça leur tente, vous pouvez même rajouter 7 n pour dire 7 neutrons. J'ai même été un petit peu plus loin, j'ai mis 7 pi plus pour me rappeler que les protons sont positifs. Et j'ai mis un petit 7N0 pour me rappeler que les neutrons ont une charge nulle. Alors ça va être mon noyau. Donc, au lieu d'écrire 14 billes, on fait juste un gros cercle pour bien économiser 14 dessins. Pour la couche. La couche, je veux que tu la dessines autour en pointillé. C'est super important. Je veux absolument que tu la dessines en pointillé. Sur ces pointillés-là, on va mettre deux petits points qui vont représenter nos deux électrons, parce que tantôt on a dit que sur la première couche, elle était tellement petite qu'on ne pouvait pas mettre plus que deux électrons maximum. Donc j'en mets deux. Mais là, mon problème, c'est que je n'ai pas juste deux électrons à mettre. J'en ai sept à mettre. Donc qu'est-ce que je vais faire pour les électrons qui me manquent? Bien, je vais aller créer une autre couche. Là, ils n'ont pas le choix, les électrons. Ils veulent aller sur la première, ils sont paresseux. Ils voudraient bien pouvoir aller faire leur maison sur la première couche, mais il n'y a plus de place. Elle est pleine. Donc, parce qu'elle est pleine, là, ils vont choisir d'aller sur la deuxième couche. Et il y a de la place pour 8 maximum. Ça veut dire que je peux en avoir moins. Maximum, c'est pas plus que. Donc, j'en ai combien à placer? Ben, j'en avais 7 au total. J'en ai déjà mis 2 sur la première. Donc, ce qui me reste, c'est 5. Donc, je vais aller mettre 5 points. Un petit peu n'importe où pour l'instant, c'est pas trop grave. En réalité, c'est pas exactement comme ça. Alors, on voit que l'azote, il y a 7 électrons, 2 électrons sur la première couche et 5 électrons sur la seconde couche. Donc ça veut dire que l'azote, il a deux couches électroniques. Donc ça va être son nombre de couches, 2. Et en fait, on pourrait aller dans un tableau périodique et savoir exactement combien de couches électroniques ont chacun des atomes, juste en regardant où il est dans le tableau. Donc, si on regarde le tableau périodique, j'espère que tu en as un devant les yeux, dans ton agenda ou sur Internet. Donc, dans un tableau périodique, si on regarde il est où notre azote, ben, il est sur la deuxième rangée. Est-ce que c'est un hasard? Non, pas vraiment. Donc, le nombre de couches, il va être donné par le numéro de la période. Donc, le azote, le N, était sur la deuxième rangée. Ça veut dire qu'il a deux couches électroniques. Le chlore, il est sur la troisième rangée. Donc, il va avoir trois couches électroniques. L'hydrogène, lui, est en haut complètement. Fait qu'il y a juste une couche électronique. Et si on allait voir des atomes beaucoup plus gros, comme l'uranium, mais l'uranium, il est en bas complètement. Donc, il est sur la septième rangée, ça veut dire qu'il a sept couches électroniques. Alors, le numéro de rangée, ça donne le nombre de couches électroniques. Mais le numéro de la colonne aussi est important. Donc, si tu regardes ton dessin d'azote, l'azote avait cinq électrons sur sa dernière couche. Ce cinq électrons-là est important et on lui donne un nom, c'est le nombre d'électrons de valence. Et le nombre d'électrons de valence, c'est le nombre d'électrons sur la dernière couche. Et ça aussi, on peut le trouver juste en regardant le tableau périodique, à condition qu'on ait un bon tableau périodique. Donc, ton tableau périodique dans l'agenda, ça change à chaque année, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va recevoir cette année, mais dans l'agenda, il faut vérifier et corriger si le tableau périodique est numéroté comme il faut. Donc, prenez votre tableau périodique d'agenda et vérifiez
que les colonnes, les familles, sont pas numérotées de 1 à 18. S'ils ont mis des numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, il va falloir tout barrer ça, effacer ça, biffer ça et le remplacer par ces numéros-là ici. La colonne 1A pour la famille d'hydrogène, 2A pour les alcanes d'eau terreux, 3A pour la famille du bore, 4A, 5A, 6A, 7A pour les halogènes et finalement 8A pour les gaz nobles. Ces chiffres-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, A, là, ils veulent dire quelque chose. Parce que regardez l'azote, il est où? Il est dans la colonne 5A. Et il avait 5 électrons de valence sur sa dernière couche. Alors, ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez prendre ce tableau pour chacun des 5 éléments qui se trouvent là. Vous allez trouver dans un tableau périodique le nombre de couches électroniques, donc le numéro de la rangée, et le nombre d'électrons de valence, donc le numéro de la colonne avec la bonne numérotation, et écrire ça en vrai chiffre normal, par exemple. Mais mettez-moi pas des chiffres romains là-dedans, là, OK? Donc, on veut savoir le nombre de couches électroniques et le nombre d'électrons de valence pour ces 5 éléments-là. Et vous m'apportez ce tableau-là aussi en classe au prochain cours. Et on va le corriger ensemble. Donc, je ne vous donne pas les réponses dans la vidéo. Il va falloir venir me voir en classe. Et finalement, on arrive à notre hydrogène. Avec ce qu'on a appris aujourd'hui, on est capable d'expliquer pourquoi notre hydrogène a été placé dans la colonne 1A. Pourtant, ce n'est pas un alcalin, ce n'est pas un métal, ce n'est pas un solide, donc il n'y avait pas d'affaire là. Mais on a décidé de le mettre dans la colonne des alcalins parce qu'il y a exactement un électron de valence. Pareil comme le sodium, pareil comme le lithium, pareil comme le francium, il y a seulement un électron de valence. Alors on s'est dit, OK, on va le mettre dans la colonne des alcalins, mais ce n'est pas un métal alcalin puisque c'est un gaz. Alors, dernière chose à dire au sujet des dessins. Je veux qu'on parle rapidement de la règle de l'octet. La règle de l'octet nous dit, le mot octet nous dit quelque chose d'important parce que ça vient de octogone. Comme en mathématiques, vous avez appris les octogones. C'était une figure à 8 côtés. Ben, octet, il y a quand même le mot 8 là-dedans. Donc, 8, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que pour que les atomes soient stables, il faut que leur dernière couche aussi soit pleine. Donc, toutes les couches vont être saturées, vont être pleines, incluant la dernière. Mais par contre, la dernière, même si elle est super grande en quatrième, cinquième, sixième période, même si la dernière couche, elle est super grande, il ne va jamais, jamais, jamais y avoir plus que 8 électrons sur la dernière couche. Ça va être une règle super importante qu'on va arriver dans notre chapitre 3 et qu'on va vouloir faire des molécules. Il va falloir qu'on respecte la règle de l'octet, donc seulement 8 électrons sur la dernière couche, même si elle est très grande. Et lorsque cette dernière couche-là, elle en a 8 et qu'elle est pleine, ben on a un atome qui est très stable. Alors, venez me voir en classe, montrez-moi vos 2 tableaux. Et on va faire des activités pour vérifier que vous avez bien compris les familles qui donnent le nombre d'électrons de valence et les périodes qui donnent le nombre de couches électroniques. Au revoir!